J'ai tout de suite été séduit par ce manuscrit. C'est un magnifique livre d'heures enluminé. Enluminé, c'est-à-dire qui a été écrit à la main et décoré également à la main. Et comme vous le voyez, il est illustré sur toutes ses pages. Il a été commencé à Paris vers 1430, une toute grande période pour l'enluminure française. Il a été achevé à tourner un siècle plus tard. On lui a rajouté tout d'abord un calendrier en dialecte picard, qui est le dialecte parlé à Tournai. Vous voyez ici, par exemple, que François devient Franchois. Un enlumineur local a ajouté 13 miniatures. Ici, le Saint-Luc, assis sur son bœuf, qui est son attribut. Les bordures sont d'une imagination débordante. On y trouve des oiseaux, des insectes, des escargots, des monstres, des êtres hybrides. Ce qui est tout à fait passionnant dans le cas des heures de la tramerie, c'est qu'on a pu regrouper autour d'elle 5 livres qui sont tous enluminés par le même peintre.